Yo tout le monde, on se voit avec ChatChat. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, l'explication de ce que c'est les sets d'objets. Donc, faut savoir que ce qui est très embêtant dans le jeu, c'est lorsqu'on finit cette mission, vous avez plein d'objets, vous devez les ranger, vous reprenez vos potions, etc., etc., etc. Cette astuce m'a été montrée par un viewer, et du coup, je voulais vous la partager parce qu'elle va être très utile. Alors, si là maintenant, imaginons, je mets plein de bordel, tac, tac. On revient de mission, hein, on va imaginer. Tac, tac. Là. Là, on revient d'une mission. Et que tout d'un coup, vous voulez déjà vous préparer à partir en combat. Ça va être option, donc le bouton start, si c'est sur Xbox. Et là, vous avez un truc qui s'appelait set. Il n'y a jamais personne qui l'a remarqué. Donc là, j'ai créé un set, moi, par exemple. Donc ça, c'est le set de base. Des potions, antidotes, etc. Ce que vous voyez en rouge, c'est ce que je n'ai pas en stock. Il m'a averti. Là, si j'appuie set. Ce set, oui, il va ranger tous les items que j'avais dans mon inventaire dans le coffre et il va mettre uniquement les objets que je gardais. Donc, par exemple, ça c'est un set de base que j'ai créé avec des pièges, des potions, etc. pour faire des petits trucs. Voilà, pour capturer des petits monstres, ça c'est le set pour des gros trucs. Par contre, imaginons maintenant que je crée un set. Imaginons, moi je crée un set uniquement pour farmer. Voilà, donc un set uniquement pour farmer. Donc, ça je range, ça je range, ça je range. Range, voilà, comme ça. Et simplement, je vais faire un set vide. Là, j'ai le droit, hein. Et tac, tac, enregistrer cet objet. Oui. Je vais faire un set vide. Alors, j'ai juste des munitions en dessous, certes. Imaginons que je joue à l'arbalète, hein. Et là, j'ai un set vide. Donc, maintenant, imaginons, je veux ce set-là. Tac, voilà. Maintenant, j'arrive, je reviens de mission, je veux partir farmer, je fais ça. Tac, voilà. Donc, c'est super pratique. Vous avez la même chose pour les armures. Donc, si vous voulez, par exemple, équipement. Et que je fais, là je fais start, je peux faire des équipements, voilà des sets par rapport aux armures que je joue. Donc par exemple, c'est mon set farmé avec la Volto H, etc., etc. Là, je vais faire un nouveau set, on va dire, on va faire un set pour farmer des potions. Voilà, donc là je prends les talents, les talents botaniste. Alors je vais voir, tac, là j'ai un botaniste, c'est pour les plantes donc. Là, je sais que j'ai un truc botaniste, tac, voilà. Ensuite. Merde, excusez-moi. J'ai oublié le collier, je vais juste mettre le collier. Voilà, tac. J'appuie start. Enregistrer le set. Enregistrer le set actuel. Bim. Et putain, c'est bon. J'ai mon set de farming. Et là, j'ai mon set. Alors, mais j'ai qu'à appuyer ça. Et ça pour changer d'équipement. Voilà. Ça vous évite tout le temps d'être. De plusieurs armures, des résistances de feu, de glace, etc., etc. Voilà, du coup, les amis, je vous remercie. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura bien aidé. Je vous fais une grosse bise et à bientôt avec Chop Chop. N'hésitez pas à me follow sur Twitch TV ou sur YouTube. Merci infiniment. Allez, ciao!